Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue! Oh oh! Oh oh! Pour le nouvel épisode de Marois, on retrouve nos petits amoureux. Amoureux comme au premier jour! Ah, tout, 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 tout. Ah, embrassez-le encoureusement. Lui, il est chaud comme la braise. Ah, mon petit Caleb! Alors, on est vendredi, il est même pas 3h du matin. Ok, très bien. Tiens, il faudrait peut-être que je me mette vraiment à faire le tri de ces trucs-là. Je l'ai toujours pas fait, quoi. C'est chiant. Bénédiction des assistants squelettes activés. Ah, ouais, c'est trop bien. Ça. Extra infosilus. Oui, oh, arrête. Il ne s'arrête plus. Tu vas, toi, tu vas faire ça. Marois. Il est excellent. Il est tout, tout fadasse. Ah, j'ai cru que c'était le bébé, mais non. Bon, ça suffit, là, les petits, là. Bon, je crois qu'ils sont amoureux, quand même. Hein. Je dis ça comme ça. Je crois qu'ils sont amoureux, les deux. C'est bon, ça suffit. Eh ben, quand même. Ça fait juste une heure qu'ils sont des papouilles, hein. Comment ils vont, les nounouches? Ah! Oh, elle pourra pas nous faire des bébés, hein, moi je te le dis, parce que... Athéna. Parce que y a plus de place, hein. Il n'y a plus de place dans la maison. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merde. Mais oui, merde. Si, si, il y a encore de la... une place. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va aller faire un bébé avec Apollon? Oh là là. C'est quoi ces cris de la mort, là? Oh! Sa fille! Oh, vous entendez les ronrons ou pas? C'est adorable. J'adore les deux chats. Truc pas du tout chiant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'elles vont faire là, les meufs là? Et les meufs? Et eux, ils sont toujours en train de se faire des papouilles. Non, mais c'est bon. Vous arrêtez maintenant. Oh. Ah, elle est partie, d'accord. Et la petite, elle monte. Mais c'est pas possible, mais ils sont buggés. Ça suffit, les amoureux là. Ah, zou. Oh, bah au moins c'est radical. toi, tu vas t'entraîner à l'arcanac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 
Moi, je vous dis, allez, une fois à Salvadorada, ça vous fait gagner quand même pas mal de trucs. J'ai juste pas mis, en fait, tous les statuts déjà faites, déjà compilées, on va dire. On va mettre ça là. Et ça n'arrête pas. Celui-là, laisse tomber, hein. Un pot, on va mettre là. Ah, mais tous les chats sont en train de gueuler, c'est bonjour, quoi. Hop, encore ici. C'est le portel, en plus je gère pas, je les laisse vivre. Pendant ce temps-là, moi. Ah non, c'est pas encore le même, hein. Ça, par contre, oui, je crois. Médiocre, ouais. Ouais, quand même, y a des différences. Oui, bah, de toute façon, après, je vais faire le tri. Je vais garder que ceux qui sont bien, qui sont en bon état. Putain, mais il y en a, laisse tomber, quoi. On en a plein. Oh. Faudrait plusieurs vitrines. Ah, les chats! Je crois que j'ai oublié. Non. On a un poisson. On a ça. On va le mettre là. Oh, bah ouais, les chats, quoi. Comment? Mais vent court! Oh, ça va, il est 8h15, mais. Oh my god! Ah, c'est bon, papa s'est occupé d'Aiden. Oh, c'est mignon. C'est parfait. Bon, je vais continuer mon petit tri et je vous retrouve après quand j'aurai tout sorti. Bon, finalement, voilà. Tout ce qu'on a eu encore à ce qu'il fallait trier, en fait. Tout ça. Donc, ça va être sympa. On va s'amuser. Bon, après, déjà, on peut voir que lui, il est fissuré. Donc, en fait, il est qualité médiocre alors que les deux autres sont très bien. Donc, par exemple, celui-là, c'est vendre. Oui, pardon, ici. Hop. Celui-là, on n'en a qu'un. Celui-là, il est médiocre, insolite, médiocre, insolite, médiocre, insolite. Et il n'y en a qu'un seul qui est excellent. Donc là, ouf, pareil. On va s'amuser à tout vendre. J'aurai enfin fait enfin le tri chez Marois. Ah, Aidan a vieilli! C'est super, on va le faire. Espiègle. Alors, petit Aétane. Ouh, il est brun comme papa. Enfin, il est châtain comme papa. Oui, brun. Parce que c'est vrai que. Il a les cheveux de fille, comme d'habitude, dans mes challenges et dans mes trucs. Oh, il est chou. Oh, il a une bouille à croquer. Oh! Oh, je dis pas ça parce que ses parents sont plutôt beaux gosses. Il est mort de rire. Tu vas pouvoir le prendre dans tes bras. Putain, mais les Najmeshima, c'est hallucinant. Tu vas prendre à parler. Arrête! Non, c'est Athéna, ça. C'est même pas Nabeshima. Oh, il est trop mignon. Il a faim. Ok. Marwat. Est-ce que tu pourras donner à manger à partir de l'inventaire? Du plasma fruit. Oui, des baies. Des haricots noirs. Je suis pas sûre qu'il aime hein, ton enfant pour l'instant. Caliboo. Dans ce cas-là, tu peux regarder. On prend une boisson pour la nourriture pour Aidan. Une chaise haute. Ouais. Ah, on a reçu. Super. On a reçu super. Non, mais ça, je vais le mettre là-haut. Comme ça, le petit, il va. Celui-là, il est coincé à l'étage pour l'instant. Oh, la ferme, les chats. Tiens, tu pourras manger ça. Ça reste 12 heures avant d'être. Mais non! Mais c'est quoi ces chats? C'est pas possible, non? Je viens de poser l'assiette, comment c'est possible? Oh, mais non! Vas-y. Ah, mais c'est hallucinant, hein? Voilà, mon petit. Oh, la ferme! Oh, la vache, quoi! C'est pas des vaches, c'est des chats, mais quand même, là. C'est chaud, chaud quand même, hein? Bon, lui, il va les manger. Trop mignon.
Tu vas discuter, tu vas éliminer sa journée. Ça va aller, je sais pas pourquoi, mais il a pas l'air d'être bien. Tu vas. Non mais qu'est-ce qu'ils ont? Et elle là, elle est buggée aussi ou quoi? Plus de choix amical, faire connaissance. Réconforté, d'accord, je sais pas ce qu'il a, mais ok. Carte de support visuel. Enseigne les besoins de base. Ben oui, qu'est-ce qu'il a? On a marre des mots. D'accord, super. C'est vrai qu'à peine il grandit, on lui inflige des mots. C'est pas GG, c'est pas ce qu'il y a de plus logique. Ouais, alors non. D'accord, lui il est en train de faire le ménage. Tout va bien. Va manger, va prendre une douche. Nous, on continue notre petit tri. Toi, t'es médiocre. On est parti un peu. Bon, en même temps, ça anime hein, d'avoir le petit qui va grandir. Après, on va aller le relooker tranquillement. Attends, Marois, tu vas apprendre à ton fils. Parce que là, t'as. Je sais pas, il a envie d'agresser le chat ou quoi? D'accord. Lui, il regarde son enfant. Oh, mon fils! Et chair de ma chair! Amour de ma vie! Mais t'es bugué, toi, quoi! Alors, compétence réflexion. Ok, c'est parti. Tiens, j'ai pas fait à te faire des amis, toi. Ok. Donc, j'en étais où, moi, avec mes couteaux et machin? Oh, il est beau, celui-là. Couteau de récolte. Récolte en amazonite et récolte en bronze, j'ai déjà. Par contre, en or, on l'a pas. Enfin, on l'a pas dans la vitrine, bien sûr. Parfait! Ça, c'est tu es bien, on peut pas bouger, hein. Dis donc, on peut pas faire grand-chose avec vos trucs. Hein. 850, on est OP. Ça, c'est combien? 850. Donc, ok, on peut s'en débarrasser. Hop! Qu'est-ce qu'il a? Bonjour, je m'ennuie. Mais va te faire foutre, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il a, lui? Carte de quoi? Oh, petit minouche. Oh. Ça va aller. Enlacé. Ah bah, joue. D'accord. Ah, d'accord. Il est trop mignon! C'est trop chou. Eh oui, moi et mes photos. Mais c'est trop trop chou. Bon, elle va s'occuper de lui. Qu'est-ce qu'il a? Il est fatigué maintenant. Ben oui, il n'y a pas de lit. Oh bah dis donc. Oh bah merde. Alors il y a toujours le pot. Tu vas lui apprendre le pot. Comme ça au moins ce sera fait. Et va falloir qu'on aménage un coin pour lui, hein. Il n'y a pas de place dans cette maison. Moi je l'ai pas étudié pour deux enfants, hein. Bah non mais quand même, hein. On va lui faire une petite place là. On va être dans l'inventaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'inventaire? Oh, un super canapé, on s'en fout. Charisme volume 1, c'est super. On va prendre donc un petit lit. Poum poum binouche. Ben non, ça c'est un peu trop grand déjà. Ça c'est un peu trop coloré. Est-ce que. Celui-là c'est quand même pas mon préféré, mais bon. J'ai avec la licorne, et puis c'est un garçon. Je sais pas. Celui-là non plus. Bon, je le trouve pas très très beau. Hein. Voilà. Tu peux venir dormir là? Ben c'est super! Il n'y a pas des. Non, au niveau couleur, c'est pas GG, hein. Ça colle pas trop à la chambre, mais bon. On fera comme ça. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Pour le petit. J'ai envie de dire oui, parce que le pot. On va lui mettre un pot en bas. On va lui mettre un petit pot ici. Parce que si, comme il va se déplacer, il pourra au moins faire ça. Ouais, c'est bien. Je pense qu'on est bien pour l'instant. Un petit machin nounours? Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Un quoi là?
Allez, on va mettre un petit koala ici pour vous faire plaisir. J'ai su dans votre silence que vous vouliez un petit truc koala. Voilà, bon. J'étais toujours avec mes trucs, moi. Bon. Masque de carasse en terre cuite. Les deux sont excellents et communs. D'accord. Eh ben, on vend. Problème est que il me faut une autre vitrine. Voyez? Où est-ce qu'on pourrait la mettre? Dehors, c'est pas trop ça. Ah, on pourrait la mettre là. Dans l'entrée. Mais bon, l'entrée est petite et ça gâcherait la fenêtre. C'est un problème. C'est un problème. Oh, Wapena. C'est comme c'est que des fenêtres, j'ai pas envie de mettre un truc collé à la fenêtre, quoi. Vous imaginez un peu mon désarroi à l'heure actuelle. Je ne sais point. En tout cas, il se passe pas grand-chose pour l'instant. J'ai fait le tri, là. Je vais laisser ça en plan, peut-être. Je ne sais pas. Non, je vais remettre ça dans l'inventaire de Marois. Et puis, on va passer à la suite de l'histoire quand même. Parce que non, c'est pas drôle. Oui, il a réussi son petit prout et son gros caca derrière. Ah, Zénor est... Oh, elle a eu un A, Zénor. Trop cool. Bravo, ma petite. Jouer dans le placard. Ah bon? Je savais pas. Tu peux illuminer la journée de ton frère, raconter une histoire idiote. En la s'étant vraiment... Oh là là! J'ai encore des bons petits bugs, moi, dis donc. Oui, tu vas aller dormir. Attends que ta sœur, elle passe. Non, tu fais rien de là. Ta sœur, elle arrive. Elle va te raconter des trucs. T'as été faire pipi dans caca dans son pot, c'est pas cool, hein, ça va puer dans sa chambre. Il est trop mignon! Cette bouille! Bon, finalement, peut-être que je vais lui laisser ses cheveux-là, parce que d'habitude, je mets que pour les filles, et encore, je mets pas, en fait. C'est pas une coupe que je mets, ni pour les filles, ni pour mes garçons. Mais peut-être que... Qu'est-ce que tu fous? Ah, punaise, t'es lente, hein, Zénor, la vache! Voilà! J'espère juste qu'il n'aura pas les oreilles pointues. Oh, il est trop mignon. Ah, et Dan, le mignon. Et après, t'iras au dodo. Dodo, dormir. On est bien. Oh là! Oh, c'est trop chou. Faire des grimaces. D'accord. Bon, allez. Laisse-le aller dormir. Toi, tu vas faire tes devoirs. Non, mais dis donc. Saloperie. Petite conne. Commentaire maladroit. D'accord, super. Première fois qu'elle parle avec son frère, elle lui dit une connerie. Tout va bien. Et le petit machin, il va tranquillement dormir dans son petit lit. Du côté des fenêtres, hein. C'est pas grave. Hop là! Ouh, le petit relooking, il en a besoin. Le petit relooking, il en a besoin. Qu'est-ce que vous faites, vous? Frimez avec ses pouvoirs. Oui, enfin, Marwa, elle en a plus que toi, hein. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc que je voulais changer. C'est l'aspiration, puisque de toute façon, ça ne valide pas, donc j'ai un bon petit bug. Qu'est-ce que je pourrais faire? Nourriture, fortune, connaissance, lieu, amour. Bon, romantique en série, âme sœur. De toute façon, il a déjà sa meuf. Popularité. Bon, vampire. Qu'est-ce que j'avais mis à Marois? Fêtard, non? Je sais plus. Marois, je t'ai mis quoi comme. Chef de bande. Oh ouais. Chef de la bande. Effectuer 10 activités du groupe. Parler des groupes, hein. Gagner 1000 points de groupe, diriger un groupe de 8 Sims. Ok. Wow. Ouais, d'accord. Bah, en fait, on va te faire ami de tous. On s'en fout. Voilà. Et si on retourne. Bon vampire. Je sais pas, moi. On pourrait peut-être y arriver, hein. Après, il y a des points de satisfaction. Marois, elle en a juste 20 000, tout va bien. Savoir si on peut à lui acheter des traits.
étanche. Oh, c'est cool. Fantastique conteuse. Habituée au froid, habituée à la chaleur, ça, c'est 500 points. Nettoyeuse rapide, observatrice. Je veux dire, il n'y a même pas assez de points, je suis sûre, pour tout ce que... Ah, quoi que... Toujours rassasiée, n'ont jamais besoin de manger, jamais fatiguée. Bon, de toute façon, c'est déjà un peu le cas. Besoin de personne, Harley Davidson, super main verte, savante, petite mangeuse, petite dormeuse, d'accord. Je pense que de toute façon, j'ai quand même pas mal de... Elle est fertile. Non, de toute façon, il n'y a pas de place. Il reste une seule place. Oh, tiens, on va lui prendre jouet doué pour les baisers. Ouais, c'est pas grave, nous, on est... N'importe qui ne s'en peut regarder. Oui, mais non, parce qu'on est mariés et on n'a pas besoin. Voilà. Elle va faire un bisou du coup à son nouveau... Enfin, c'est pas son nouveau mari. Festival des épices. Mais on va tester ça, son nouveau trait. On va voir ce qu'il en dit, le Calebout, là. Il était un peu blasé par la télé. C'est tout? Mais embrasse-le! Mais embrasse-le! Embrasse-le! Oh, tu me casses les couilles à chanter, sérieux. Allez! Na. Oh, j'ai entendu un avec Marois. Oui, bah oui, c'est sa mère. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, lui? On va prendre une pause sexy. C'est tout! Mais il n'y a pas d'émotes et tout, en fait. On s'en fout, quoi. Il paraît que les t-shirts du festival sont géniaux. Allez! On va amener des gens, on va aller au festival. On va aller avec Calebout et Azenor. Tiens, ça va, on va faire nos sociaux un petit peu. Ça ne fera pas de mal. Un gazouillis au bord de l'eau! Ta 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 ta. Aidan a été mis à la garderie. C'est Happy Hour. L'Happy Hour en bar karaoké poisson prix réduit pour tout le monde. Ouh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu des meurtres? Qu'est-ce que c'est ça? Ok, ils sont passés. Ah, ils sont passés. Je crois que c'est la première fois que je vais au festival des épices, moi. Je suis jamais allée. Oh my god! Je suis pas sûre. En plus, mes petits vampires, ils mangent pas, hein. Ah, ils peuvent fumer des trucs. Comment? Oh! Bah oui, regardez, il y a un micro qui vole! Finaise. C'est Marwa qui chante. Alors, Marwa chante. Caleb chante à côté. Et elle fait quoi? Eh ben, elle joue au basket. Mais pourquoi t'es devenue rousse? Oh my god! Azenor, t'es devenue rousse, c'est quoi ce bordel? Mais les Sims arrêtaient de bugger, bon sang, bonsoir, hein, Rieko. Oui, mais tu l'as déjà dit, ça. Non, mais quand même, tiens, tu peux fumer, toi? Non. Ne sont pas pour les enfants. Oh, mais quel dommage. Tiens, t'as faim. Tu vas goûter la nourriture. Tu vas prendre une portion. Tu iras aux toilettes aussi. T'as qu'à faire. Mais ouais, je ne sais pas pourquoi elle est devenue rousse, hein. C'est pour une fois que j'ai pas de roux dans ma... Pourquoi elle court? T'as un problème dans ta vie, Adenor. Ah non, et eux? Oh, mais arrêtez de vous faire des mamours, vous me cassez les pieds. Alors, il faut faire quoi? Acheter le t-shirt du festival? Ouais, en fait, non, parce qu'après, ils vont le mettre et j'ai pas envie qu'elle le mette tout le temps. Y a personne au bar. Ok. Ouais, elle prend sa petite boisson. Caleb, il est bugué. Caleb, tu manges aussi, s'il te plaît. Sinon, tu vas crever. Et elle est où votre fille? La rouquine. Courir vampiriquement ici et courir vampiriquement ici, comme ça au moins
ils seront un peu plus. Voilà. Ah bah tiens, il est là, Stéphane. Attends, on va dire bonjour à Stéphane quand même. Demande un gros prêt. Non. Amical. Conversation profonde. Stéphane, tu veux devenir vampire? Ça nous fera un ami en plus. Est-ce qu'il est dans le groupe, lui? Oh. Est-ce qu'il est dans le groupe, lui? Parce que de toute façon, il faudra qu'on... Non, pas vampire. Tac. Groupe. Invité à rejoindre le groupe Stranger Things. Oui, mais s'il fait partie des Stranger Things, il doit être vampire. Allez! Tac-tac-tac. Nous, on va ta... Se transformer en vampire. Se transformer ou transformer? Est-ce que Caleb peut le faire? Se moquer de la mortalité. Ben oui. Se transformer. Non, bah c'est Marwa qui va s'en charger. Elle est peut-être plus amie avec lui. Bon, pas tant que ça non plus, mais bon. Allez. Ben ça, il fera partie du groupe. Qu'on n'a pas beaucoup de monde. Eh, mais on pourrait caser Angélique avec Stéphane. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, ça fera des cousins et des cousines. Tu plaisantes, j'adorerais Stranger Things. Voilà, il est dedans. Et il nous manquera peut-être quelqu'un d'autre pour Lilith, un mec ou une fille. Si vous avez des suggestions, si vous avez des Sims à me présenter pour la moitié de Lilith que je pourrais mettre dans le groupe, comme ça on sera des groupes de couples. Et lui, il est content! Le petit s'amuse avec le chien. Waga waga waga, d'accord. Ça, par contre, t'as un problème de cheveux, hein. Zénor, je veux pas te dire, mais. Voilà, il se transformera bientôt. Salut Stéphane. Ah, et puis là, on voit les petites marques. Bon, ben, c'est cool tout ça. C'est cool. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Bah, à part de la bouffe et si tu fais des épices, moi je fais pas trop de choses. Hein. Tu as acheté une pièce, qu'est-ce que tu fais? Toi aussi tu as acheté une pièce. Hop, au moins c'est fait, voilà, c'est mignon, on a dépensé des sous. Tiens, tu vas regarder. Regarder la présentation. Et donner un pouvoir de 10 boules. Toi, Calebou. Qu'est-ce qu'il a lui? T'as la gerboise? Bon. Tu vas t'entraîner aussi? Tous azimuts ensemble, allez. Allez! Les Vatore! Ah, mais y en a un qui dégueule tout le temps là! C'est écœurant, c'est lui! Oh, mais c'est écœurant! Mais va vomir ailleurs, dégueulasse! Oh! Niveau supérieur 3 de compétences fitness pour Calibou. Seulement? Oh, mais l'autre il continue à gerber. Non, mais c'est pas possible. Bon, rien ne va plus à Zénor là. On va rentrer. Allez, go, on rentre. C'était sympa. On va quitter l'événement. Tac-tac. On rentre parce que là, la petite, ça va pas. Allez, go! Bon, Stéphane, il peut venir à la maison. Tant qu'à faire. Ça me dérange pas. Yop, on est revenu. Occupe-toi de toi tout de suite. Va pisser, va te laver. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui appelle? Qui c'est qui appelle? Bonjour Marois. Ah non, pas les trucs de mort là. Ça va me gaver. Mais qu'est-ce qu'il y a, Pépé Rouge? Oh. Mettre Aidan au lit. Allez, lire une histoire pour s'endormir. Ah non, c'est les chats qui. C'est Nabeshima. Tu nous saoules, la Béchima. Caleb, va lui demander ce qu'elle veut, parce que là, elle me saoule. Gaston. Non, on va pas en boîte, là. Il est tard. Il est tôt, il est 22h30. Mais là, on n'a pas... Mais arrête de regarder la télé pour les gosses, Caleb. T'es con, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a, la Béchima? Tu me pètes les noix. Elle veut parler avec un chat amical? Je sais pas. Qu'est-ce qui va pas? Mais non, mais.
Tu me zigues. Elle a encore faim? Elle se fout de ma gueule? Non mais... J'en ai marre. Hein. Elle est complètement pétée, cette chatte. Complètement pétée. Oh, Stéphane, il s'est fait plaisir dans le jack. Dans le jacuzzi. Ben alors, mon petit. Ben oui. Ah ben oui. C'est pas la visaille, s'en va. Toi, tu te... D'accord, t'es depuis tout à l'heure, t'es aux mêmes toilettes. Ok. Va te laver, va changer tes cheveux. On va relooker ton petit frère qui est là sans être là à la maison. Oh, toi, arrête avec ton verre d'eau. Là, vous... voilà, on va modifier l'apparence. Modifier l'apparence ? Où est-ce que j'ai mis un petit miroir ? Pour relooker tout ce monde. Ah, c'est prévoir des tenues, je pense, plutôt. Allez. Embrasser langoureusement. Mais, allez, tu vas prévoir des tenues. Dépêche-toi plus vite que ça. Et voilà à quoi ressemble le petit Aidan. Et mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, il est mignon. Ah, 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 ah. Aurait-il le nez de sa maman? Je ne sais point pour l'instant. En tout cas, c'est sur les yeux plus gris parce que les deux parents le ont, donc forcément. Voilà, bon, alors je le relook et je les vous retrouve juste après. Et voilà, pour le relooking de Aiden, c'est fait. Et pourquoi tant de haine? Pourquoi mes enfants, ils ont les oreilles pointues comme ça? Mais c'est pas possible. Alors, je vous rassure... Non, je le laisse avec ces cheveux-là. C'est que je voulais juste voir s'il avait les oreilles pointues. Et quoique... Oh, il est chou minou. Mais j'aime bien les cheveux. Alors, voici une tenue de jour pour Aidan. Une autre, sa tenue de pyjama. Sa tenue habillée. Sa tenue de fête. Sa tenue de... Maillot de bain, pardon. Tenue de temps chaud et tenue de temps froid. Il y a une nette tendance sur le vert. Voilà, pourquoi pas. Il est vraiment trop chouchou. Et j'ai remis les cheveux de mademoiselle. En tenue de sport, je lui ai remis donc sa bonne coupe de cheveux. Elle n'est plus rousse. Vous pouvez respirer. Mais, me dites pas que... Ah, mais vous me gavez avec vos bisous, là. Allez-y. Toi, t'es partie te coucher. Est-ce que tu... Oui. Oui, puis on a le temps pour l'étoile. On est samedi. Toi, tu m'agaces. Vous faites des mamours. Non, t'as fini. Tu peux manger un peu. Et Marois, elle fait quoi? Elle va aller border sa fille. Oh, mais je suis trop choupinou. Quelle bonne maman, cette petite Marois. Et puis tiens, pour tu vas continuer l'heure de street art, puisque de toute façon, ça fait des semaines qu'on n'y a pas touché. Compétence 8 en éducation, quand même, hein. Elle est plutôt balèze, hein. Et je vais dire Pierre-Nard, mais non, c'est Caleb. Lui, je vais le laisser vaquer à ses occupations, c'est très bien aussi. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode, donc j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'Aidan vous plaît, qu'il est mignon tout plein. En tout cas, j'ai hâte de voir sa bouille en tant qu'enfant, et aussi ado, bien sûr, pour voir à qui il ressemble le plus. Et d'ailleurs, je vais regarder Azenor, quand est-ce qu'elle grandit? On est à 6 jours, ok, quand elle deviendra donc ado, Aidan deviendra enfant le lendemain. Bon, eh ben on a le temps comme ça. Allez, moi je vous embrasserai fort d'ici là. Portez-vous bien. Faites-vous plaisir. Profitez des vacances si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut.